Nous sommes en finale de Coupe du Monde. Tellement heureux, je suis tellement content. Mais il reste un match. Ça se trouve, toute cette intro ne servira à rien parce qu'on aura perdu. Est-ce que c'est pas pour vous? Ça se trouve, on va perdre contre l'Argentine. Mais croyons-y. En tant que supporter, on est obligé d'y croire. Croire en la nation. Et puis je sais pas si vous regardez bien, mais le coq... Il manque une troisième étoile là. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver parce que... je ne sais pas si vous connaissez, mais une intelligence artificielle nommée DALL-E permet justement d'agrandir une image avec, je vais vous montrer, je pense qu'on va faire une image, après sinon je pense que ce sera un petit peu trop long pour vous, je vous laisse avec la suite, j'espère que tu vas kiffer cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux liker, ça te fait plaisir, tu peux commenter des drapeaux français pour soutenir nos bleus contre cette Argentine qui me fait très très peur, et puis on se dit à tout à l'heure, putain, oui bon médaille. Alors les gars, regardez, je vous montre, donc ça c'est comment ça se présente. Donc déjà, vous arrivez sur cette page d'accueil, machin. Du coup, moi, j'ai déjà un compte. J'avais fait une photo, je ne sais pas si vous connaissez Melancholia 999 de Green Montana. J'avais agrandi cette photo. Je vous mets la photo de base et la photo avec laquelle j'ai fait le résultat final avec DALL-E, du coup. Donc en vrai, ça prend un petit peu de temps pour y faire, mais c'est pas grave. Je vais choisir une petite photo grâce à mon téléphone et la airdrop sur simplement mon ordinateur. Je pense qu'une image de la Tour Eiffel fera bien l'affaire parce que ça nous représente en tant que Français. Et je pense qu'il faut commencer à être fier d'être Français parce qu'il n'y a pas assez de monde qui le sont. Voilà, je le dis. Ok, je pense que ça va être pas mal là. Voilà, on l'a. J'ai trouvé notre petite photo, donc voilà. Donc si on veut la couper, on la coupe. Moi, je pense qu'on va la laisser comme ça, skip the cropping. Et du coup, là, on se retrouve tout de suite. Vous inquiétez pas, la qualité, c'est normal. Et du coup, en vrai, tu vois, la photo est petite quand même de base. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est de partir sur des trucs un peu déjantés. On va gommer un petit peu parce que là, par exemple, je vous explique ici. Là, ça m'intéresse pas trop. Je pense qu'on peut faire un truc beaucoup mieux dans le ciel avec nos éléments. Et du coup, cette application, du coup, comment elle marche? Et ben, en fait, vous écrivez ce que vous voulez dans cette petite barre de recherche et ça va tout simplement vous proposer des choix qui collera bien avec l'image. Je vais vous montrer. Regarde, on va prendre un exemple. La gomme, c'est bon. Hop. Là, tu vois ça, je vais y déplacer. Je vais prendre ici, je vais prendre une partie de l'image quand même. Et puis, je vais mettre... comment on appelle ça, putain? Oui, parce qu'il faut y écrire en anglais, parce que sinon, c'est pas drôle. Sunrise, un truc comme ça. Alors, sunrise with planets. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, générer. Donc là, ça met un petit peu de temps, c'est normal, parce qu'il faut qu'elle trouve correspondance. Des fois, ça bug de fou, on comprend pas du tout pourquoi ça fait ça. Et des fois, c'est juste hallucinant. Voilà. Regardez, là, elle a agrandi l'image. Juste avec ce que j'ai dit, sunrise and with planets. Donc voilà, donc là les planètes sont pas trop réalistes, je trouve ça pas fou. Là non plus. Ah, là tu vois, c'est pas fou ce que je dis. Mais on va quand même en prendre une sur les quatre, comme ça on va agrandir l'image. Je pense que la dernière est pas mal. Hop, nickel. Ça, je vais déplacer l'image, comme ça au moins on va agrandir de ce côté. Tac, et là je vais peut-être mettre un truc giant tree. Sunrise and giant tree. C'est pas mal ça. Comme ça, ça passe un petit mot à la compagnie des arbres qui nous regardent, qui sont beaucoup nombreux, qui sont énormément à suivre la chaîne. En plus, c'est grâce à eux qu'on vit, donc bon, autant les remercier. Ok, ok. Alors là, vous voyez que là, ça fait pas un beau truc. C'est pas joli du tout. On a dit un arbre géant. Et là, c'est vraiment pas beau. Pas beau du tout. Pas beau du tout. Là, vous voyez par exemple, là, je suis vraiment pas du tout convaincu. Je vais quand même, je vais mettre un gros cancel de fou. Et je pense qu'on va même un peu plus gommer vers le haut, comme ça. Ah non, là, je suis pas du tout d'accord. On va réessayer comme ça, parce que c'est pas la même image. J'espère qu'il va pas nous redire les mêmes conneries. Non, là, c'était pas beau du fou. Les gars, la masterclass de Mr. V qui l'a sorti, c'est incroyable. Mr. V, le crack de cette génération, je pense que... Le fromage. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai déjà connu les paroles. Can I get some burger? Would that be no better? Oh là là, attends, je vais mettre un petit peu pause quand même, parce que là, c'est super beau ce qu'il nous propose. Cet arbre, il est pas mal, là. Là, c'est pas mal. Pharaon, on s'en fout de... Moi, je pense que le premier est pas mal. Franchement, le premier est pas mal. Mais vous voyez, déjà, on est parti de ça, quand même, hein, d'image. Il nous a déjà ramené tout ça. Maintenant, par contre, le pont, là, je trouve pas ça fou du tout. Un truc assez aberrant. On peut mettre un GMK. Sunrise, on va garder le sunrise, parce que comme ça, au moins, on est dans le thème. And... que peut-on mettre? Je pense une énorme bite, genre. And cock, je crois que ça se dit. Allez. Oh non, mais ça marche pas. On peut même plus mettre de grosses bites sur les trucs. Putain, moi, ça me rend fou. Ça me rend dingue. Oh là. Attention. Regardons ce qu'il nous a mis. Comme ça, le gars, c'est un sanglier. Qu'est-ce qui se passe? C'est moche de fou. Sunrise and water. With, je vais mettre... Savane. Comment on dit une savane? Savana.
Savan. Et pas la blague, hein, Savan. C'est ciao! With Savan. Ok. I don't want a candy. I want green cheese, wings and burgers. Alors là, il nous a fait un peu de conneries parce qu'il nous a rajouté une deuxième tour Eiffel. C'est bizarre un petit peu ce qu'il nous fait là. C'est saoule trop! C'est saoule trop! Putain! C'est trop moche ce qu'il nous propose. Alors là, là on va commencer à parler français parce qu'il y a un bateau qui passe là, mais il y a un autre qui arrive à l'autre côté. C'est quoi le sens des trucs? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, je pense que celle-ci on peut partir là-dessus. Ça me semble correct. C'est pas mal dans la continuité du pont machin. Ouais, ça me semble ok. Ouais, non, c'est pas mal. Can I get some burger with some peanut butter? Do you think it's better with a Dr. Pepper? Can I get some turkey? I need more proteins. Can I get some whiskey? I could drink a fountain. Maybe I'm still hungry since this morning. I need like a cheese and pancakes. Oh, regarde ça! Il est là! Il est là! Ouais, c'est quoi ça? Le drapeau français! Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'on peut s'arrêter là en vrai. Je vais juste mettre le petit Sky. T'en sors un verre de Sky. Machin, j'ai plus que ça la musique, mais c'est pas. Oula. Vous avez vu ça? Genre, vous avez écrit vous avez plus de crédit là? Je suis à sèche. À sèche. À sec. Je suis à sec. Non, mais j'ai pas mis d'argent en plus. De base, c'était gratuit. C'est quoi vos trucs là? Je me suis fait niquer. Non, mais je vais niquer! Non, c'est pas possible! Ah ouais, je suis à court, je suis à sec! Non! Bon bah, cette vidéo va se terminer plus tôt que prévu! Oh là là, c'est triste de finir là-dessus! Là, elle a pas trop de gueule, du coup, l'image toute déstructurée! Putain, ils sont pas cons! Hein. Faire payer les bouffons là! Non, c'est vraiment des rats, les Américains! Oh! Bon, je vous aime bien, j'aimerais bien aller dans le pays, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le résultat vous plaît. J'espère en faire plusieurs en vrai de ces vidéos-là, parce que je trouve ça pas mal. Juste, faudra peut-être que je mette de l'argent dessus, et du coup, bah, on en fera pas tout le temps, hein, parce que c'est cher quand même, je pense. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi de l'avoir regardé, ça me fait super plaisir, et ça me touche énormément. Ça me donne beaucoup de force, sache-le. Et... en route pour les 300 abonnés, on vient de passer les 280. Je vous aime du fond du cœur, merci beaucoup pour tout. On va se quitter. Mais la prochaine vidéo, j'espère que sur ce maillot, on aura 3 étoiles. Vive la France et soyez fiers d'être bleus. Pour le Wakanda.